face à l'église Saint-Yves. Comme vous voyez, elle est fermée. Compte tenu de la crise sanitaire qui nous affecte depuis quelques semaines déjà. Donc habituellement, le samedi à pareille heure, notre communauté grouille quand même de monde. Des gens qui viennent soit pour les activités au sous-sol de l'église ou pour la messe du samedi soir. Mais ce n'est plus le cas. Donc tout est quasiment désert. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. La fermeture des églises ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Au contraire, en ce dimanche, le quatrième de Pâques, le maître mot que Dieu nous envoie, que Dieu nous dit, c'est que je prends soin de toi, je prends soin de vous. Alors pour nous le dire, il va utiliser plusieurs images à travers les textes, mais l'image la plus frappante est celle du bon berger. Donc Jésus qui va particulièrement recourir à cette image dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas relire tous les textes de ce dimanche, parce que ceux qui ont le prion à l'église, vous pouvez les trouver là-dedans, ou alors vous pouvez aller sur internet, vous allez très très facilement retrouver les textes de ce quatrième dimanche de Pâques. Mais globalement, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 du verset 14, verset 36 à 41. Le psaume est le psaume 22-23. Donc, vous connaissez sans doute, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La deuxième lecture est de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 2, du verset 20 au verset 25. L'évangile est de Jean, au chapitre 10, du verset 1er au verset 10. Donc c'est un texte quand même qui est très connu. Un texte où Jésus se présente comme étant le berger pour ses brebis, le bon pasteur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'idée centrale des textes d'aujourd'hui. Dieu prend soin de nous, Dieu est avec nous. Déjà dimanche dernier, avec l'épisode des disciples d'Emmaüs que nous avons écouté dans l'évangile, Dieu nous disait déjà qu'il fait route avec nous, quel que soit ce que nous vivons. Il est là, il est présent. Aujourd'hui, il s'occupe de nous. C'est dans le mode de vie des gens de son époque que Jésus est allé puiser cette image. Donc, les gens de son époque vivaient de l'agriculture, ils vivaient également de l'élevage. Et alors, il va dire, de la même façon qu'un berger prend soin de son troupeau, il prend soin de chaque brebis. Le Seigneur aussi manifeste sa sollicitude, sa bonté, sa tendresse, sa patience vis-à-vis de nous. Dans notre mode de vie aujourd'hui, notre mode de vie au Québec, on est sans doute loin de la réalité juive à l'époque de Jésus, mais nous connaissons quand même les fermiers, les gens qui possèdent des fermes, des gens qui élèvent, qui font l'élevage très souvent industriel, ils prennent soin de leurs animaux. Et même nous à la maison, il y a beaucoup parmi nous, nous avons des animaux de compagnie. Nous en prenons soin. Nous connaissons leurs émotions. Parfois, nous leur donnons même des noms. Nous créons une relation très, très personnelle avec ces animaux. Pour peu que quelque chose affecte notre animal de compagnie, ça nous affecte aussi. Alors, c'est dans ce genre d'image que Jésus va puiser pour nous dire combien Dieu lui aussi est attentif à tout ce qui peut nous arriver. Alors que Jésus dise qu'il est le bon berger, en fait il n'invente pas cette image. Avant lui, il y a des prophètes qui avaient déjà eu recours à cette image. On peut penser par exemple à Isaïe, on peut parler de Sophonie, le prophète Michée, le prophète Isaïe. Très souvent, dans des périodes de crise, les prophètes avaient eux aussi recours à cette image pour rassurer le peuple, pour rappeler au peuple la fidélité de Dieu. Ils utilisaient aussi cette image dans des situations où peut-être le peuple se sentait délaissé par leurs dirigeants, que ce soit les responsables politiques ou religieux, pour leur dire, bah, écoutez, vos responsables peuvent vous trahir, mais Dieu, lui, ne vous trahit pas. Ça n'empêchait pas non plus les prophètes d'attirer l'attention des dirigeants eux-mêmes, de se comporter en bon berger et en bon pasteur. Alors donc,
Ce n'est donc pas radicalement nouveau dans les oreilles des Juifs d'entendre cette image-là parlant de la relation de Dieu avec les hommes. Mais par contre, ce qui serait intéressant à découvrir dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est les circonstances dans lesquelles Jésus prononce la parabole, cette parabole, et surtout ce à qui il s'adresse, à qui Jésus s'adresse. Alors dans le verset 6 de l'Évangile, il est mentionné que Jésus a utilisé cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais qui malheureusement n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Décidément, il y avait toujours un dialogue de sourds entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens, qui étaient-ils? Vous le savez déjà peut-être, mais je pourrais peut-être le rappeler très très brièvement. Parmi les Juifs, c'était un groupe de personnes très très religieuses qui prenaient la stricte observante de la loi. Donc, ils avaient une vision assez élitiste et même ségrégationniste de la foi. Ils se sentaient un peu comme à part. Et par conséquent aussi, ça leur donnait un peu d'orgueil. Ils étaient admirés du peuple parce que c'est pas déjà évident d'arriver à observer scrupuleusement la loi. Ils avaient une très très bonne notoriété parmi les peuples. Mais le problème, c'est que sur les bords, ils pouvaient être un peu orgueilleux. Jésus particulièrement, ce qu'il a toujours accusé dans leur comportement, c'était la dureté du cœur. Alors pour comprendre pourquoi il utilise encore cette image pour leur parler, il faut se rappeler ce qui s'est passé avant, mais qui n'est pas mentionné dans le texte aujourd'hui. Nous sommes là au chapitre 10, mais si vous prenez le chapitre 9, tout le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, vous allez vous rendre compte qu'en fait Jésus a guéri un aveugle né. Il a fait de la boue avec la salive, il a appliqué sur ses yeux et le monsieur a retrouvé sa vue. Alors, bien évidemment, ça a surpris les gens, au point que les gens, il y en a même qui n'arrivaient pas à le reconnaître. Alors, finalement, les gens vont amener cet aveugle guéri chez les pharisiens, qui étaient en quelque sorte des leaders religieux. Les pharisiens étaient un peu dépositaires de l'ordre, de l'ordre moral, de l'ordre religieux. Ils vont amener ce monsieur chez les pharisiens. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat. Donc, il avait violé une loi aux yeux des juifs en général, mais surtout aux yeux des pharisiens. Alors, l'aveugle va commencer un dialogue avec les pharisiens qui probablement reconnaissent que Jésus est dépositaire d'un pouvoir particulier. Il y a quelque chose de particulier qui anime Jésus. Jésus est peut-être prophète. Mais s'il est vraiment de Dieu, il ne peut pas violer le sabbat d'après les juifs, d'après les pharisiens. Alors c'est ça qui les agace un peu. Alors, face à cet aveuglement des pharisiens, Jésus va donc prononcer la parabole que nous venons d'écouter. Les pharisiens sont restés aveugles sur le bien de cette personne, quelqu'un qui a recouvré sa vue. Au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu d'en être fier, au lieu d'en être satisfait, non. Ça, ils ne vont pas regarder ça. Ils vont se concentrer sur la transgression, sur la loi, sur le formalisme. Alors, Jésus est donc en train de leur répliquer en leur disant que vous prétendez peut-être être des pasteurs, des leaders dignes, mais au fond, vous êtes dangereux pour la communauté. Vous êtes dangereux pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que vous maintenez la peur. Parce que si Dieu est bon pasteur, si Dieu prend soin des brebis, cela a une conséquence. La conséquence est quoi? C'est qu'on ne peut pas vivre dans la peur vis-à-vis de Dieu. Or, justement, en étant si formaliste, les pharisiens avaient dévoyé cette idée de Dieu, donc qui finalement était un Dieu justicier, un Dieu qui faisait peur. Alors, quand Jésus vient prononcer cette parabole, en fait, c'est pour prendre le contre-pied des pharisiens. C'est sûr que Jésus est vraiment dur, il est dur dans ses images. Il dit plutôt que c'est eux qui entrent par effraction dans la bergerie et donc dans le peuple de Dieu. Finalement, c'est eux les usurpateurs. Et donc, il va aller plus loin en se présentant comme la porte. Il dit, je suis la porte. La porte, c'est par là on entre. Donc, alors, Jésus est celui par qui il faut passer pour aller à Dieu. Celui par qui il faut passer en même temps
pour avoir accès à ce bonheur dont nous rêvons tous. Alors, ce message est quand même très frappant, très important en ce temps de crise que nous traversons. Nous aussi, nous sommes capables de constater que bien de nos règles, les règles habituelles qui régissent le fonctionnement de notre société, ne fonctionnent plus. Donc, en temps de crise, on est appelé à des ajustements. Alors, allons-nous jouer notre petit pharisien en prenant la stricte observance des lois, ou alors nous allons privilégier le bien des personnes? Jésus, aujourd'hui, nous invite à privilégier le bien des personnes, à manifester d'abord la bonté vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, c'est beau de le voir à travers les médias. C'est sûr que nous sommes enfermés dans nos maisons. Heureusement, nous avons les médias et nous sommes capables de voir comment les gens se mobilisent, comment les gens sont habités par cette bonté. Il y a des bénévoles, il y a des volontaires qui vont porter à manger à des personnes dans la maison, ceux qui ne peuvent pas sortir. On voit le déploiement exceptionnel du personnel de la santé pour prendre soin des malades. Alors, tout cela nous dit quelque chose de Dieu. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui les églises sont fermées, mais ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est très présent dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais il faut être capable de le voir. Alors personnellement, moi je vois du divin dans tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans tout ce dévouement du personnel. Vous voyez, il y a quelques semaines, on nous a fait savoir qu'il manquait même du personnel. Les responsables gouvernementaux ont lancé un appel et vous avez vu l'engouement des gens à venir en aide aux autres. C'est sûr qu'il y a la motivation financière, mais elle ne suffit pas. La motivation financière ne peut pas suffire pour que quelqu'un mette sa vie en danger. Parce qu'en allant dans les hôpitaux, ils le savent très bien, ils savent que tout peut arriver. C'est parce que les gens sont habités par l'amour. Mais d'où vient cet amour-là? Pour nous chrétiens, la source de toute cette bonté, c'est Dieu. Il faut être capable de le dire aussi. Donc, en ce dimanche, frères et sœurs, tout n'est pas rose dans notre société en ce jour. Mais Dieu, je vous le répète, nous dit, je prends soin de vous. Il nous invite pour cela à une attitude de confiance. La confiance vis-à-vis de nos dirigeants qui doivent réfléchir nuit et jour pour trouver les solutions par rapport à ce que nous vivons. La confiance mutuelle dans nos familles. La confiance aussi en l'appelant. Dieu est bon, Dieu prend soin de nous, mais il ne peut pas le faire sans nous. Donc c'est pour ça que la prière aussi est importante. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais nous chrétiens, nous pouvons les soutenir par nos prières. Nous pouvons soutenir les gouvernants par nos prières. Et c'est quand même beau de savoir que le mois de mai qui a commencé, c'est le mois de Marie. Et pour nous chrétiens catholiques, Marie est un modèle de confiance. Donc, dans toute situation, notamment quand l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait être la mère de Jésus, elle ne comprenait pas du tout quelque chose à ça. Mais elle a dit au Seigneur, écoute, les choses vont se passer comme tu le veux. Moi, je te fais confiance. Donc, actuellement, nous sommes appelés à lâcher prise sur nos certitudes et à faire tout simplement confiance. Confiance à ceux qui s'occupent de nous. Confiance en Dieu. Je souhaite à chacun de vous un très bon dimanche. Et puis, il y a un slogan qui est devenu très, très populaire. Je vais finir par ce même slogan. C'est que ça va bien aller. Ça va très bien aller. Confiance. Bye bye.